Uther Pendragon, l'héritier du fabuleux royaume de l'homme, est un vaillant guerrier et un véritable fou de guerre au caractère imprévisible. Aveugle et sourd au conseil de Merlin, Uther est ensorcelé par le charme de la belle Ygraine, épouse du duc de Cornouailles, avec lequel il vient enfin de signer un traité de paix qui durera le temps d'un festin. Par serment, il use une dernière fois du pouvoir magique de Merlin, en prenant l'apparence physique du duc, afin d'abuser d'Ygraine le temps d'une nuit. De cette liaison, naît l'enfant qui unira le destin des hommes, Arthur. Toutes ces trahisons ramènent la duchesse Anne à la réalité. Le 28 juillet 1488, placée sous le commandement de Louis d'Orléans, de François II, de Dunois et du prince d'Orange, l'armée bretonne est en fait une étrange force composite, regroupant soldats bretons, anglais, suisses, allemands et espagnols. Le 6 juillet, les troupes du roi de France lèvent le siège de Nantes afin de rejoindre l'armée royale située à Saint-Aubin-du-Cormier. Le lundi 28 juillet 1488, c'est une armée bretonne désorganisée qui se présente face aux troupes françaises, dirigée par Louis de la Trémoille, homme de poigne et réputé fin stratège. La solide artillerie française crée alors aisément une faille parmi les troupes bretonnes. 6000 Bretons, les mercenaires, périrent ce jour-là. Malade, ruiné et épuisé, le duc de Bretagne est à bout de force. Charles VIII et François II signent le fameux traité du Verger. Le 9 septembre 1488, en son manoir de Couéron, se meurt le dernier duc de Bretagne, déshonoré et dévasté. Anne a alors 11 ans.